Salut tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo IRL, ça fait très longtemps. Et aujourd'hui laissez-moi vous présenter la nouvelle trottinette à laquelle j'ai fait l'acquisition, voilà, c'est l'été. En été on aime bien se balader en trottinette, etc. Donc j'ai la marque qui m'a envoyé les gars une trottinette. Donc voilà, c'est la marque DYU. Voilà, franchement, marque fiable, magnifique. Et ils m'ont envoyé une petite draisienne. Une draisienne, ce qui est pas mal, c'est que c'est léger, c'est facile à transporter. Et du coup, on va l'ouvrir, voir à quoi ça ressemble. Et je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec. Ça vous rappelle pas un souvenir, les gars? Ça vous rappelle pas? En tout cas, il y a Dinaz à côté de moi. Ça vous rappelle pas un souvenir quand ils m'ont ramené la poussette pour vélo, pour bébé? Souvenez-vous de la vidéo là. Là, ils se sont pas trompés la marque par contre. Ils m'ont envoyé vraiment. Non, c'est pas, c'est une poussette. Le bon truc. Alors, une dinette. Sécurisé, hein. Sécurisé, les gars. Hop, la petite selle qui va bien. Ensuite, là, elle est posée. Elle est pas mal. Bon, je vais enlever tout ce qui est plastique, etc. Et waouh. Alors, ce qui est bien, les gars, avec ce petit vélo électrique, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, il y a des pédales. Donc, en gros, si jamais vous avez plus de batterie, et eh bien hop, vous passez en mode tu pédales quoi. Bon les gars, ce qui est bien avec ce petit vélo électrique, donc déjà très très léger. Donc si jamais vous travaillez, vous le rangez dans votre bureau. Si vous allez en cours, vous pouvez le prendre avec vous, vous le transporter avec vous. Vous pouvez aussi le mettre dans votre voiture. Alors ce qui est bien aussi les gars, c'est que vous pouvez faire jusqu'à 45 miles. Donc 45 miles à peu près en kilomètres, c'est 70-80 km. Donc c'est plutôt pas mal, franchement la batterie elle tient plutôt bien. Et si jamais les gars, eh bien votre vélo ne tient pas, votre vélo électrique, eh bien comme je vous dis, vous avez trois modes. Vous avez le mode pédale, donc je vais installer les petites pédales qu'on a ici. Vous voyez, c'est très très simple à installer. Hop, on est parti, on va les installer. Oh mécanicien, viens montrer. Toi c'est hop, et là tu viens tourner avec la petite molette qui est fournie. On m'appelle mécanicien, j'ai travaillé chez Ferrari, chez Formule 1 Ferrari. Regardez, j'ai ça dans l'âme, j'ai ça dans le métier, j'ai ça dans la main, j'ai ça dans le sang, vous voyez. On m'appelle Win, peut-être que je suis nul, mais là pour monter des trottinettes, faites appel à mes services. Je facture 100 euros de l'heure, c'est pas trop cher. Et voilà, j'ai ma petite pédale, je vais mettre la deuxième. On peut observer le dégradé. Voilà, comme je l'ai dit, très très facile à emporter. Donc débat, il est comme ça de base. Voilà. Tu vois, hop là, tu le serres comme ça. Là, t'es en mode vélo. T'as la petite selle qui va avec, qu'on a oublié d'installer d'ailleurs, la selle. On va la mettre, on va mettre la selle. Très important. Je pense que là, je suis bien comme ça. Hop, voilà. Tu vois, c'est un vélo. Si jamais vous avez plus de batterie, bah hop, vous pouvez passer en mode vélo. C'est pratique aussi, ça fait un peu de sport, quoi. De temps en temps, tu sors du travail, t'as envie de faire un peu de sport, tu la mets en mode vélo. Sinon, t'as le mode électrique. Hop. Si jamais il y a un passant qui vient, il me dit ouais, Nuin, t'es là, je fais. S'il vous plaît, poussez-vous. Vous avez aussi le petit phare LED, hein, je peux montrer. Pour ceux qui sortent du travail la nuit ou bah voilà, en décembre, bah, le soleil il se couche beaucoup plus tôt, bah, vous avez le mode phare, comme ça, ça vous permet de rouler tranquillement et d'être visible la nuit. Les petites phares LED, très léger, en carbone, c'est plutôt pas mal. Donc je rappelle que le lien pour acheter le vélo se trouve en description. Bah écoutez, je pense qu'on va aller faire quelques petits tests, hein, parce que là on est sur l'herbe, c'est pas trop adapté, hein. Même si tu es plutôt bien sur l'herbe. Et on est parti, let's go. Allez go. Allez go. Donc là vous avez pu voir, j'ai mis le petit protège-roue. Hop, voilà, ça franchement je l'ai installé en moins de 5 minutes. Donc, ce qui est bien les gars, c'est quand vous recevez le vélo, c'est qu'il est monté à 90%. Vous avez juste à mettre la selle, vous avez juste à mettre le petit truc là, à mettre les pédales et c'est parti. Moins de 5 minutes, le vélo est monté. On va aller tester ça, voir ce que ça donne. Tester les différents modes, parce que je rappelle qu'il y a 3 modes dans ce vélo. Le lien pour le acheter est en description, encore une fois. Et puis bah c'est parti. Vous avez aussi le petit chargeur pour charger votre vélo électrique, qui est à la fois électrique, encore une fois je le rappelle, et qui est pédalable. Donc voilà, le petit chargeur, plutôt easy. Vous pouvez recharger au bureau, c'est assez rapide à la charge et ça tient plutôt bien la route. Bon bah écoutez, hop, on met ça là, on est pas mal, et allons tester ça sur la route, voir ce que ça donne. Bonsoir, laissez-moi vous présenter enfin le test de ce petit véhicule. Alors comme je l'ai présenté au début de la vidéo, vous avez trois modes, hein. Regardez, hop, le petit mode pédalé, le petit mode assisté. Voilà, tu pédales tranquille.
comme un vélo normal. Ça permet de travailler un petit peu les jambes. Hein. Voilà, tranquille. Et là, hop, attention. Là je freine et je me remets en mode je pédale, tu vois, je pédale chaque coup d'appoint. Et vous avez le mode assisté. Voilà, regardez, c'est assisté, je fais rien. Les gars, pour avoir testé, ce qui est plutôt pas mal. Alors Ryan, tu vas me donner tes impressions. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez pédaler et tout. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est plutôt léger, ça va plutôt vite. Donc c'est vrai que ça permet de gagner du temps quand vous allez au taf, quand vous allez à la fac, etc. Enfin, peu importe ce que vous faites. Ah voilà, elle a une pied nue carrément. Il va la casser. Tu penses qu'il va la casser ou... Non. Il y a une petite voiture. Je peux montrer la petite voiture électrique là qui passe juste à côté. Il y a une petite voiture électrique. Bon, ce qui est bien, vous avez le petit phare. Hein. Pour être vu de loin. Bah pour être vu de loin, tu vois, t'as, la petite lampe qu'on a allumée, regardez. Elle est puissante hein. Et là il fait jour hein. Regarde, montre comment il fait jour. Il fait très très jour, comme vous pouvez le voir, hein. Il est 18h. Il fait encore jour parce qu'on est en été. Et franchement, j'aime plutôt bien le truc. Hop, j'ai enlevé le petit clapet. Je la mets comme ça en mode pliable. Voilà, donc là elle est pliée. Et ensuite, hop, tu la portes, tu la mets dans ta voiture, tu la mets, si jamais la selle elle est trop grande, on peut la baisser également. Hein. Voilà, ça permet de gagner plus de place. Hop, là je suis bien, je la remets. Bon, c'est vrai que pour les grands aussi, tu vois, ceux qui ont des grands tailles, ça peut aller jusqu'à là. Donc en vrai, c'est pas mal. Mais moi je vais la mettre un peu comme ça, je pense que je suis bien. Voilà, hop. Et là, imaginons, je sors du travail, hop, tu vois. Là, je viens serrer, voilà, 5 secondes, même pas. J'ai envie de faire du vélo, je fais du vélo, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête, bah j'accélère quoi. Je pense que je peux faire une roue ou pas? Essaye. Allez, plus fort. Non, oh, c'est chaud. Bon du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La trottinette est plutôt magnifique, elle est stylée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'offre à la salle. En tout cas, je rappelle, le lien pour tout simplement acheter la trottinette se trouve en description. Merci encore à DYU d'avoir sponsorisé cette vidéo. Elle est vraiment stylée cette trottinette. Je pense que je vais la garder hein. La salle, à mon avis, je vais pas te l'offrir hein. Vraiment, vraiment, elle est bien, tu vois, elle est bien. Tu peux pédaler, tu peux faire du sport, tu peux tout faire. Et en plus, tu vois, moi, la salle, elle est à côté. Et ce qui est bien. Bon, les gars, sur ce, pouce bleu. Et on y va. Pouh. Voilà. C'est pas beau, ça. Je descends le trottoir. Tu vois, ça tient bien. Allez, salut.